dans les épisodes précédents. Voilà. Faut que j'y aille. Il faut que je vous dise également qu'en plus d'avoir dansé nu, il m'est arrivé aussi de me prostituer. Carmen, si tu ne signes pas, Alicia Raorigui le fera pour toi. Je veux savoir qui a mis cette cassette. C'est moi. Lola, demain c'est ton groupe, c'est bon? Et toi, ce qui t'arrive, c'est que t'es morte de peur. Peur, moi? Oui, et tu ne sais pas quoi faire pour t'en sortir. Allez, allez! On se fait une petite choré. Oh, Lola, non. Lâche-nous, Dieu. On manque de répétition. On s'en fiche. Si on s'y met tout de suite, on a le temps. Allez. Arrête. J'ai pas envie d'être ridicule. Alors maintenant, tu descends. T'as vu combien on est? On est 3 pelés. 7, pour être précis. Allez, on part. Enfin, pourquoi on est là? C'est pour danser, non? Lola, tu veux bien arrêter? Allez, viens. Attendez, moi, je vous le dis, cette fille, elle a pété un plomb. Vous avez des choses à faire ce matin? Doucement. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu te porter. Hein? Qu'est-ce que je fais ici? Rien. Cette nuit, tu t'es pris la cuite du siècle, du millénaire, et je t'ai amené ici pour que tu dessoules. Alors, tu te sens comment? Oh, je me sens pas bien. Avale ça. Oh. Allez, prends-en un. À moi, ça me réussit. Il est 8h, j'ai classe. Oh, c'est pas vrai. Heureusement, je commence à 11h. Attends, j'avais pas pris mes affaires. Non, apparemment, y'a rien à toi ici. Juan, c'est sympa ce que tu as fait, merci. À ton service. Plus. Ciao. Adela! Oui? Voilà, on va danser. C'est ce qui est prévu, maintenant on va en classe. Non, pas dans la classe. C'est pas ici qu'on a répété. On va ailleurs. Je ne danse pas dans le hall, moi, pas question. Mais c'est pas dans le hall qu'on va danser. Pas dans le hall? Où tu veux qu'on aille? Suivez-moi. Je peux avoir une explication? C'est pas trop te demander quand même. On y est? Ça.
Tu les as trouvés. C'est pas compliqué. Ceux-là, c'est des deuxième années. Ouais. Là-bas, c'est des troisième années. Ouais. Et puis, les autres, en fait, je sais pas d'où ils viennent. Et si tu montes une compagnie, je suis ton homme. Bravo. Tu vois, quand tu veux, tu viens de passer à la vitesse supérieure. C'était une très belle démonstration. Et je m'y connais. Non, mais pas. Merci. Vous avez fait un truc génial. La prochaine fois, tu voudras de moi. Ah, t'es une petite intéressée, hein? Maintenant tu veux bien. Oh, c'était vraiment super. À tout à l'heure. Bravo Lola, ça m'a beaucoup plu. Je te la dois, cette idée. Tu sais, si tu ne m'avais pas poussée dehors, jamais je n'aurais eu cette idée de la rue. Merci. Ça t'a plu? C'était magnifique, c'était très bien. Et tu m'as impressionné, tu sais. Alors, ça va avec Roberto? Eh ben, au début, ça a été assez difficile de trouver le bon rythme, mais à force de pratiquer, eh bien, ça marche pas mal. Tant mieux, c'est bien pour toi que ça marche. Seulement, je peux pas dire que ça me plaise. Pedro, qu'est-ce que tu veux, toi? Je connais la vie, alors c'était bien, non? C'est de la danse que je voulais parler. Qui est responsable de toute cette pagaille? Moi. Très bien, suivez-nous au poste. J'essaie de joindre Diana et ça répond pas. Elle est à toi, cette chemise? Quoi? Tu ne l'aimes pas? Elle est pas belle? Ah non, au contraire, je l'adore cette chemise et surtout sa couleur. J'ai décidé de changer de style. Très bonne initiative. Mieux vaut tard que jamais. Exactement. Il faut que tu viennes, Gaspard. Les premières années ont dansé dans la rue et maintenant ils sont au commissariat. Quelle journée! Tu as une nouvelle chemise? Originale. Oui, je sais. On m'a dit que Umberto... Oui, c'est une vieille connaissance de Lucien. Si vraiment ça t'embête, on peut très bien faire appel à quelqu'un d'autre. Ça n'a pas la moindre importance, c'est l'affaire de quelques jours. Magnifique cette chemise, Gaspard. C'est vrai que tu es vraiment très beau. Allez, on y va. Qu'est-ce que tu veux? Je dois vous parler. Si c'est pour tes échecs en danse moderne et classique, il vaut mieux que tu en discutes avec Gaspard. Vous êtes mon professeur? J'étais. Ils vont vous virer à cause de la cassette? Adela, faut que je vous dise, c'est moi qui l'ai glissé dans le magnéto. C'était pour rire. Si j'avais imaginé que ça causerait tout cire, j'aurais jamais fait ça. Eh bien, j'espère que tu t'es bien amusé, que tu as bien ri. Tu n'as qu'à continuer. Je suis un minable de vous avoir fait ça. Pardonnez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Finalement, ta tante est arrivée à ses fins. On appelle intervalle la distance qui sépare deux notes.
Dans la musique occidentale, la distance minimale se mesure en demi-tons. Dans la gamme de Do majeur, les deux demi-tons se situent entre le Mi et le Fa et entre le Si et le Do. Ainsi donc... Les voilà! Où allez-vous? Le cours n'est pas terminé? Dès que les autres membres du conseil seront arrivés... On y va tous. Vous êtes décidés? Oui. 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 Juan, qu'est-ce qu'il mijote encore? J'en ai aucune idée. Qu'est-ce que tu fais? On est tous embarqués dans la même galère, pour le meilleur et pour le pire. Le problème, c'est que moi, j'ai pas de caleçon. Bon, eh ben, c'est pas grave, alors j'y vais à poil moralement. Comment peux-tu tolérer cela? À leur place, tu ferais la même chose. Et moi de même. Pourquoi tu me fais ça? Tu es peut-être incapable de reconnaître un bon professeur. Mais nous, on sait. Parfait. Eh bien, dans ce cas... Je crois que cette réunion n'a plus de raison d'être. Si la direction est d'accord avec les élèves... Elle l'est. Tu peux en être certaine. S'il te plaît, Antonio. Oui? Tu pourrais la poster avec le reste du courrier? Bien sûr, aucun problème. En espérant que ça servira. Ça sert toujours, les lettres. Il y en a que je n'ai pas écrites quand il aurait fallu. Et je m'en repens encore. Merci, Antonio. Dommage que tu danses pas en string. Ça t'allait bien? Toi aussi, ça t'allait pas mal. On devrait peut-être, je sais pas, monter un duo ou un numéro de striptease, non? Moi, pour le moment, je préfère la danse. Alors vas-y, danse. Donne ta main. Viens.
Adela. Bonjour. Attends, je vais t'aider. Non, regarde, non, 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 ça va très bien, je te remercie. Mais donne-moi ton sac, je te laisse carte blanche, je suis allergique. Comme ça, j'ai un meilleur équilibre. Non, c'est rien. Ouh. Mais qu'est-ce que tu transportes là-dedans? Ne dis pas que je t'avais pas prévenu, il pèse des tonnes. En fait, je trimballe mes tenues de danse classique, de danse moderne, je donne 6 cours par jour et ça fait son poids. Ne t'inquiète pas, ma fille, je suis à la recherche d'un autre professeur pour assurer les cours de Diana. Non, 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 c'est hors de question. Je n'ai quand même pas rêvé. C'est bien toi qui m'as dit que tu en avais par-dessus la tête. Et même, je me souviens de ce que tu m'as dit, que c'était une véritable punition. Je t'ai dit tout ça, t'es sûre? Si, si, je te le dis. Oh, mais non, non, c'est pas possible, Carmen, parce que je te prie de me croire que je suis heureuse de faire la classe, enchantée par les élèves et la danse. Et finalement, moi, ça m'enrichit, même si ça me fatigue. Je te le dis et je te le répète, j'ai toujours raison. Enfin, toujours, toujours. Bah, disons souvent. Tu vois, j'ai pris toute cette pile de vidéos parce que nous allons étudier les différents styles de comédie musicale. West Side Story. Oh, et Chantons sous la pluie aussi, j'espère. Celle-là, elle est géniale. Quelle bonne idée. Tu l'as? Oui, oui, on l'a ici. Dis-moi, cette plante, ce n'est pas celle offerte par Cristobal? Si. Eh ben, dis donc, quand il la verra, il va être déçu, elle a une sale tête. Je n'ai pas pu la soigner. Je ne suis jamais à la maison. C'est beau, que c'est beau! Sincèrement. Quoi, on a été bien? Ouais. Et il n'y a rien à améliorer, à corriger? Non. Vraiment rien de rien? Bon, évidemment. Non, on affinera tout ça demain. Mais pour aujourd'hui, c'est parfait, parfait! Parfait? C'est la première fois de ma vie qu'on me dit ça à moi. Tout arrive? Oh, ça m'était complètement sorti de la tête. C'est là que ça va se gâter. Carlos Gomez, votre camarade de troisième année. Il s'est blessé et ne pourra pas tenir son rôle dans la comédie musicale qu'il prépare. J'ai envisagé de le remplacer par l'un d'entre vous. Un des garçons, bien sûr, ce n'est pas un rôle de fille. Comment ça, pas de rôle de fille? Elle m'inquiète, là. J'aime pas ça, hein. Excusez-moi, mais j'ai une petite chance, quand même. Et pourquoi ne pas le confier à un deuxième année, plutôt qu'à nous? Eh bien, parce que... je crois que c'est une bonne façon de vous stimuler, de vous pousser à vous dépasser. Et aussi de vous récompenser parce que vous m'avez épatée. Elle est bien, hein? Mieux que ça. Dans 3 jours, je déciderai et ferai mon choix. C'est d'accord? Surpassez-vous. Des opportunités comme celle-là, vous n'en aurez pas souvent. Adela, les élèves recalés peuvent se présenter aussi? Ils doivent se présenter. Cela comptera pour la note finale et la tienne est actuellement de 0. C'est l'heure. On reparlera de tout ça en cours de danse moderne. Merci. Ça va? Débrouille-toi sans moi. Allez, Antonio. C'est non. Ah, il suffit que je m'en aille quelques jours et ça y est, tu as déjà une autre fiancée avec quand quelqu'un. Quand es-tu revenu? Mais embrasse-moi donc. Tout de suite. Ce voyage à Londres, c'était bien. Très bien. Antonio, j'ai quelque chose pour toi. Ah oui? Oh, des chocolats. Ils sont à la menthe. Je les ai pris à l'aéroport. En duty free. Uh-huh. En tout cas, la boîte est jolie. Ça va? Salut, ma belle. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis en visite. Bonjour, Diana. J'y vais. Il faut que je conduise la jeune fille chez Cristobal. On se voit plus tard, hein, Diana. Et merci. De rien. Tu es dans une forme éblouissante. Et Londres? Londres?
Très bien, j'ai beaucoup de travail, je suis débordée. Comme toi, j'imagine, avec ton cours de danse moderne et ton cours de danse classique. Oui, un peu, c'est vrai, mais j'adore. Et d'ailleurs, j'ai bien prévenu Carmen, il est hors de question qu'elle engage un nouveau professeur. T'as raison, si tu tiens le coup, c'est bien. Pourquoi changer? Je vais me doucher, j'ai un autre cours dans 10 minutes. Vas-y, vite, tu vas prendre froid. C'est sympa, ça. Tu aurais pu me prévenir que tu rentrais. Heureusement qu'Antonio était là, tu es revenu et c'est lui qui doit me l'apprendre. Ne me demande pas comment ça s'est passé à Londres. Oh, je suis désolée. Te mine pas, c'est des choses qui arrivent. C'est pas grave, tu sais, ça va aller. Claudia, j'ai même plus de quoi payer mon loyer, tu comprends? Oh, mince. Y a rien d'autre à faire. Je vais essayer. Tu peux me croire, je vais faire. Je suis désolée, hein. C'est quand même dégueulasse qu'il n'y ait pas de fille à remplacer. À moins qu'il y en ait une qui se blesse. C'est moche. C'est pas moche, c'est la sélection naturelle, Sylvia. Tu as déjà pensé au nombre de fois où on se douche par jour? Mmh. On passe notre vie à sortir de la douche et puis rentrer, sortir. C'est passionnant, Lola, mais dépêche-toi, on a un cours, je te rappelle. Attention, s'il vous plaît. Lola Fernandez est priée de se rendre immédiatement au secrétariat, c'est urgent. J'espère que... Pourvu que ce soit pas mon petit frère. Jeune Jean, je viens de décrocher un casting. Un casting? Pour un petit rôle? Dans une série? Une scène? 4 répliques? J'y vais demain. On vient de me proposer un casting. On s'en fout. Je peux savoir ce qui se passe? Il se passe rien du tout. Ça fait très mal, papa? À peine, c'est rien, ça fait comme des guilis. Allez, Georges, tu vas te laver les dents et je t'emmène à l'école, d'accord? Allez. Allez, va. C'est vrai, tu ne souffres pas trop? Je t'assure, ça va très bien. Oh, non. Viens ici. Viens ici. Allons, allons. J'avais jamais pensé qu'il pourrait t'arriver quelque chose. Qu'est-ce qui m'est arrivé d'après toi? Un malheureux tuyau m'est tombé sur les mains. Tu sais très bien ce que je veux dire. Non, je ne vais pas mourir. Sèche tes yeux, va. Tu pourrais le jurer. Je suis ton père, je sais tout. T'es sûr? Bon. Je te prépare un truc à manger, un petit casse-croûte. Ça doit être meilleur qu'un petit casse-doigt. On arrive au bout du deuxième mouvement et c'est là-dessus que se fait l'entrée de Roberto et Pedro. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu ne bouges plus, pas même un cil. Compris? C'est la chorégraphie des troisième années? Une toute petite partie. En place, musique. Tu bloques, c'est clair? C'est clair, seulement j'essaye. Non, ça ne veut rien dire, essayer. Il n'est pas question d'essayer, il est question de réussir. Il est bien à toi, ton corps. Commande-le. Bon, espérons que demain, ça ira mieux. Merci à tous. Ça va, ton père? Pas terrible. Je vais rentrer au cas où il aurait besoin de quelque chose. Tu veux que je signale à Cristobal? Non, je serai à l'heure, je file, je suis en retard. Merci, t'es gentil. Tu fixes un point et tu ne le lâches pas. D'accord. Le point, Roberto.
Regarde-moi fixement et sans me lâcher. On y va? On y va. Non, raté. Je suis mort, moi, si je ne réussis pas à danser avec les troisième années. Adela me laissera pas une deuxième chance. Eh bien, essaye encore. Sylvia. Tu pourrais m'aider? Tu sais, en sortant d'ici, j'ai qu'une envie, tellement je suis fatiguée, c'est d'aller me coucher. Je comprends, ça va aller. À plus tard. Demain à 6h. Merci, Sylvia. À 6h demain, je suis ici. À 6h du soir, non, tu non, viens... Non, 6h du matin. C'est capital pour toi ou non? Si. Alors au travail. À vos ordres. Il y a de la menthe à l'intérieur. Ça se mange sans faim. Sans faim, oui. Je vais en reprendre un petit, si tu Avec veux bien, plaisir. Antonio, pour la classe. Et je les laisse ici. Délicate attention de Diana. Elles les ont envoyées depuis Londres? Elle me les a offertes elle-même ce matin. Oui, elle m'a donné ses chocolats et un baiser. Elle resplendit de beauté. Comment ça, elle est revenue? Claudia, Carmen te cherchait tout à l'heure. Ah, d'accord, j'étais à la banque. Elle est revenue depuis quand? C'est extraordinaire, elle m'a rien dit, elle m'a pas appelé. Apparemment, elle est débordée de travail. Vous ne trouvez pas que ça a un peu un goût de dentifrice? Et tout le charme vient de là? Je crois qu'elle est venue se reposer quelques jours ici parce que, à sa tête, ça se voit qu'elle travaille comme une folle. Je suis heureux qu'elle aille si bien et surtout qu'elle se souvienne de ses amis. Bon, les enfants, j'y vais, je vais être en retard. Je vous suis. Moi aussi. Ah. Allez. J'ai vu que t'avais rapporté ma plante, elle est à moitié morte. C'est insensé. Des années de vie commune, et quand ça marche pour elle, elle passe même pas un coup de fil. Arrête, Juan. Diana n'a décroché aucun contrat. Elle n'a rien pour payer son loyer, ni faire ses courses. Elle n'a rien, rien du tout. Pigé ? Elle tape. Et il y a quelqu'un d'autre? Non? T'es qu'un menteur. Est-ce que t'es consciente du cinéma que t'es en train de te faire? Moi qui n'ai Dieu que pour ta bouche, que pour tes mains, que pour ta poitrine, que pour ton corps tout entier. Ça va, on arrête. Voyons, quel défaut trouvez-vous au jeu de Benny? Où est l'homme? Je vois deux femmes sur scène, pas vous? Benny, il est essentiel que ton attitude soit plus masculine. Ton personnage est un homme à femme, un bourreau des cœurs, un coureur. On dirait deux copines chez le coiffeur. C'est moi, c'est mon style, ma façon d'être. Je peux rien y changer. Ouais, mais ça colle pas. Parce que pour un interprète, la première chose, c'est de s'oublier soi-même. Tu es un autre à ce moment-là. Tu es un vrai mec, hétérosexuel, homme à femme, et certainement pas une folle tordue. Je ne suis pas susceptible, mais folle tordue, tu pourrais éviter. Mais c'est une image, une façon de parler, tu vas pas te vexer. Eh ben moi, cette façon de parler, elle m'amuse pas. Ça, je sais. C'est pour ça que je te le dis. Parce que si tu n'y veilles pas, tu vas très vite te retrouver cantonné dans des bons petits rôles de gay un peu ridicules, et là, il sera trop tard. Bien. Je pourrais toujours devenir prof d'art dramatique, non? Pour cela, la première qualité est l'humilité, être capable de reconnaître ses erreurs, de se remettre en question. Et ça, ça n'est pas ton cas. Et maintenant, au suivant. Miguel de Cervantes est l'un des écrivains qui fait figure de fondateur de ce qu'il est convenu d'appeler la comédie espagnole. Cependant, il vécut le changement de la dite comédie espagnole d'une manière totalement différente. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? Parce qu'il était manchot. Non, pas exactement, non. Non, je ne peux pas dire que la réponse soit correcte. D'accord, non, je disais ça parce que peut-être qu'il était traumatisé de n'avoir qu'une main. D'accord. Oui, en fait, il y avait une autre raison. Parce qu'il était allé en tôle? Exact. Miguel de Cervantes resta prisonnier 5 ans. Quand il recouvra la liberté, le monde avait changé. Quelques années plus... Vous admettrez avec moi qu'ici, elle ou nous sommes de trop. Les trois costauds de devant, sortez-la de ma classe avec sa chaise, dépêchez-vous. Allez.
réveillez pas surtout. Chut, chut. Silence. Voilà, très bien. Allez, on se dépêche. Bien, mesdemoiselles, messieurs, continuons. La représentation théâtrale au siècle d'or espagnol. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. Allez, 20 minutes de pause. Bonjour César. Diana. Je te dérange pas, j'espère. Je me suis permis, tiens, je me suis dit s'il a une seconde. T'as eu raison, viens, monte, t'arrives juste. En plus, j'avais envie de te voir. Dis-moi, on ne s'est pas revu depuis... Depuis que ça s'est fini. C'est ça. Eh bien, César, comment vas-tu? On essaie de redémarrer. Et toi, comment ça va? Bien, le petit train-train. Tant mieux. Alors comme ça, tu n'es plus à l'école? Non. J'étais... comment dire, je voulais me faire un peu peur. Mon agent m'a dit que tu cherchais du travail. Oui. Ici, je sais que la place est prise maintenant. Tu ne sais pas s'il prépare une autre comédie musicale, tu pourrais peut-être me recommander un de tes amis ou... Écoute, Diana, laisse passer le temps que ça s'oublie. César, c'est de travail que j'ai besoin, pas de vacances. Ça va être difficile après l'incident de Grise. Comment? Comment ça, difficile? César, d'après toi, je suis grillée maintenant à cause de cette histoire? On va reprendre. Numéro 34. Allez, vas-y, accroche-toi. Déjà là? C'est sympa. Tu as les musiques? Ouais, j'espère, ça plaira. Ça, c'est pas très important. Tu t'es échauffé? Évidemment, je suis pas un bleu. Refais ton cambré. Le cambré? Oui. Tu peux me dire avec quoi on le tient? Avec les abdos, non? Fais-le. J'y vais. Tu dois le monter beaucoup plus haut, ça c'est pas un cambré. Je suis pas dans un bon jour. C'est pas bien fait surtout. Allez, au travail. Ça va pas. Tu ne peux pas y arriver. Tu ne penses qu'à tes muscles. Il n'y a aucun rythme. Je fais quoi alors? Tu vas danser avec moi. Alors, on va se balader? Non, je vais préparer le déjeuner de mon père. Comment il va? Bien, mais il doit rester les mains bandées pendant 2 semaines. Faudra que t'y ailles tous les matins? C'est la vie. Mon père, il ne peut rien manipuler, et mon frère, à part ses turbo-lasers, c'est la vie, je te dis. Lola, si je peux t'aider... Je vois vraiment pas comment. Ou alors, va en cours à ma place. Tu sais que Gaspard m'a collé une absence. Il n'aurait jamais dû accepter de te sortir. Il a dit que... quelqu'un qui dort en classe, c'est comme s'il était absent. Bon, allez, à plus. À tout à l'heure. Completed. I know that I know this the program.
Qu'est-ce que tu me fais, là? Hein? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu me Alors, fais, là? Alors, t'y arrives? Je crois que c'est pas trop mal. Tu veux voir? Ouais, vas-y, ouais. Tiens, prends-moi ça. Attends. Allez, c'est ça. Attends. Mais c'est quoi, ça? Qu'est-ce que t'as? Si tu n'ôtes pas ta main de là, bientôt, t'auras plus de doigts. Excuse-moi, mais là, tu vois, tu ferais pas peur à Blanche-Neige. Je le savais, je suis nul, je suis largué. Rafa, je sais pas quoi faire, je suis paumé, là, moi. Tu veux pas m'aider? Ça va pas être facile, hein. On va essayer. Déjà, dans la démarche, tu vois, il faut qu'on voit que t'en as des grosses. Tiens, comme Roberto le macho. Hé, hey, Action Man, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois passer un casting demain, c'est pour un rôle de dur, de vrai mec. Et il y a que toi qui peux m'aider. Pas de problème. Le truc fondamental, c'est de soutenir leur garde, d'accord? T'es le gars qui les a bien bien accrochés et à qui personne ne résiste. Hey, hey. C'est une question de schéma mental. Quand tu te pointes pour draguer une fille, hey, tu la fixes du regard, agressivement. T'es un prédateur, elle est ta proie. C'est une question de survie. Regarde Ingrid. T'as une poussière dans l'œil? Je te faisais le regard du mal auquel aucune femme ne résiste. Tu ressembles plutôt à une chouette. Tu l'entends? T'as qu'à lui montrer, toi, ce que c'est qu'un mec. Je lui montre. Ok. Tu vas voir. Vas-y, vas-y. Ouais. Super. Je trouve que ça résume très bien le comportement typique du mâle adulte. Très amusant. Seulement, Benny, il a besoin d'un vrai coup de main. Et pas de tes singeries. Et pourtant, il n'empêche que mes singeries, comme tu dis, sont l'exact reflet de la réalité. Ah ouais. Tu veux dire que nous, les mecs, on marche en crachant, en se remontant le paquet? Tout le temps. Le drame, c'est que vous vous en rendez plus compte. C'est devenu une seconde nature. D'accord, c'est ça. Tu l'as vu? Il vient de le faire. Tu viens d'être pris en flagrant délit. T'es folle. Tu viens de le refaire. C'est un acte réflexe. Sans arrêt, tu te remontes le paquet. Ah. Ah, c'est vrai, là, je t'ai vu te les toucher. Toi, c'est le cerveau que tu devrais t'arranger. Je te dis que c'est un acte réflexe. Tu peux rien faire contre. Je me les suis pas touchés. Enfin, si, tu l'as vu. Je t'ai vu, je te dis. C'est tout. C'est pas de sa faute. Très bien. Puisqu'il nous reste 15 petites minutes, eh bien, on va enchaîner. Pardon. C'est beaucoup, ça, Lola. Je sais, c'est mon père qui a eu un accident. Il fallait que j'y aille. C'est grave? Non, mais il ne peut pas se servir de ses mains, alors il faut que je l'aide. Bien. Va te mettre en place et échauffe-toi un peu. Merci. Une chaise. Et un chapeau. Un thème que vous devez connaître. Plutôt, oui. Super. Ah, classique. Bien. Improvisation à tour de rôle, avec chaise et chapeau. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces trucs-là? On improvise ce qu'on veut comme enchaînement. Je n'ai aucune imagination ce matin et je suis fatiguée. Tu commences? On y va? I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. Walk that walk, I can hear by the way.
Ça va? Je suis fatiguée. J'y arrive pas. Tu n'es pas concentrée, Lola. Ça ira pour aujourd'hui. Mais je dois te dire une chose que tu ne dois pas oublier. Quoi qu'il puisse nous arriver, le spectacle doit continuer quand même, toujours. Suivant. Salut Diana. Ça va, Juan? Quelqu'un m'avait dit que tu étais rentrée. Oui, en fait, ça fait deux jours que je suis rentrée. C'est le tableau des petites annonces qui te manquait. C'est plutôt que je cherche un appart à louer. Alors je suis passée voir. Tu déménages? Oui, j'ai envie. Je voudrais quelque chose d'un peu moins central. L'agitation, c'est bien, mais moi, ça m'épuise. Et je venais te voir aussi, bien sûr. Et il faudra aussi que je te rembourse ce que tu m'as prêté. Je dois moi-même récupérer de l'argent qu'on me doit. Dès que possible, je te le rends. Te bile pas pour ça. Si j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai pas beaucoup de frais. Alors, tout va bien? Aucun souci. C'est une période formidable, je peux pas mieux dire. Et le travail, ça va? Trop bien, je suis débordée. J'arrive à peine à tout faire. Je suis très fatiguée, mais ça va très bien. Je suis content. Alors, je t'aurais bien invité à prendre un café, mais avec Carmen. C'est pas à moi qu'il faut parler de Carmen. Et c'est vrai que Carmen, tu la connais, ça. Bon, bah, on se voit bientôt. Oui, je t'appellerai et on se verra pour récupérer Pelayo. Miaou. Ah. D'accord. Allez, on fait comme ça. Alors, un de ces quatre. Salut. Et Diana. Claudia. Tiens, prends. Claudia. Merci, je te les rends dès que je peux. Je sais pas quand, mais dès que je peux. Arrête, t'inquiète pas pour ça. Et c'est quoi ça? Une offre d'emploi, ou on ne sait jamais. Mais enfin, Diana, c'est pas pour toi. Claudia, tu sais, je sais plus ce qui est pour moi ou pas pour moi. Si t'ôtes pas ta main de là, bientôt t'auras plus de doigts. Très bien, parfait, ça ira. Merci beaucoup, Benny. Pour le serveur, il serait très bien. Tu crois? Oui, oui. Benny, une minute, ne te sauve pas. Dites-moi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est vrai? Je suis pris pour le rôle? Non, ce rôle, non, franchement, on ne t'y voit pas. Ah. Mais nous avons un autre rôle pour toi, un petit personnage très amusant. Un serveur dans une discothèque. Oh, ça me va bien, je crois que c'est tout à fait pour moi. Oui, je crois, c'est un serveur gay. Ah, un gay. Enfin, Benny, tu es bien gay, non? Ça a de l'importance? Aucune importance, en fait. Seulement, on t'a trouvé particulièrement à l'aise dans ce registre. Je vois, oui. On pense que tu seras très bien. Ouais. Bon, alors, tu acceptes ou non? Alors, moi, tu vois, je lui dis... Hé, tu viens? Ouais. Active, Juan. Mais plus de temps à se préparer qu'une femme. Avec ces trois malheureux t-shirts. Une minute. J'y vais. C'est toi, Diana? Salut, Adela. Je venais pour voir Juan, mais je voudrais pas déranger. Entre, je t'en prie. Viens. Tiens, Diana, qu'est-ce que tu fais là? Je tombe mal, j'ai l'impression. Non, enfin, j'allais au ciné avec Cristobal et Adela. Je sais que j'aurais pas dû débarquer à l'improviste. Ça m'apprendra, c'est pas grave, je reviendrai un autre moment, d'accord? Je t'en prie, reste. T'es sûr? Ouais, voilà ce qu'on va faire. Vous descendez, vous mettez la voiture en route et j'arrive. T'as tout le temps la batterie est très fatiguée. Je te fais la bise. Salut. T'es pas venu pour me rembourser? Bah non. Ne me dis pas que t'en as besoin. Non, ma vieille, c'est pour rire. D'ailleurs, c'est aussi bien que tu me le rendes pas. J'ai le coffre-fort qui déborde de billets. J'aurais pas su où mettre les tiens. Écoute, Juan. Ce matin, je t'ai menti. Ouais, dis plutôt que t'as essayé. En réalité, je venais pour voir si Carmen était prête à me reconfier un cours, mais j'ai vite compris que ça ne pourrait pas se faire, voilà. Désolé.
Ce qu'il y a, c'est que je voulais... J'avais besoin de parler à quelqu'un parce que... Depuis quelque temps, je loupe tout. Ma vie est nulle et je fais très mal. Et je le vis allez, très mal. Allez. Je t'assure, ça va passer. Écoute, Juan. Toi et Adela. Adela? Des barges?